Bonjour, c'est pour une petite chaîne YouTube qui s'appelle Chiche TV. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là du coup? On est là pour dénoncer les conditions de travail particulières qui sont là pendant un petit bout de temps. C'est les agressions envers les sapeurs-pompiers, c'est la prime de risque qui n'est pas revalorisée depuis 4 ans. Donc on demande une revalorisation de la prime de risque et la reconnaissance du métier à risque qu'on n'a pas depuis X années. Vos conditions de travail se sont réellement dégradées? Ça s'est dégradé, on fait de plus en plus d'interventions qui ne sont pas de notre ressort, des interventions qui devraient être pour les ambulances privées, et nous on intervient pour ce genre d'intervention, et c'est épuisant parce que c'est pas de notre ressort. Okay. Vous êtes en région parisienne ou... Nous on est de l'Essonne. Okay. Ouais. Parce qu'il y a des missions qui ont disparu, par exemple avant vous alliez, quand il y avait un nid de frelons il y a 10 ans, 15 ans, vous étiez là. Les nids de frelons on les fait toujours, mais c'est payant. Voilà, c'est soumis à un régime indemnitaire, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux du coup? C'est vis-à-vis du SAMU, le SAMU qui régule nos interventions. Ouais. Voilà, faudrait que nos interventions soient mieux régulées, de manière à avoir des interventions qui soient plus de nos ressorts. Et plus des transports de personnes de domicile au centre hospitalier. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc vous délestez sur ces parties-là qui sont là pour laisser votre cœur de métier. C'est ça. On est délestère du manque d'ambulances en Ile-de-France. Et nous on intervient pour des causes qui ne sont pas de notre mission principale. Okay. Bah, je vous remercie beaucoup. Donc, votre prénom? Florian. Florian, merci Florian. Ouais. Et puis bonne manif alors. Merci. Chiche TV, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Alors, je m'appelle Émilie, je suis infirmière puéricultrice. Ouais. Et donc là, vous êtes à une manifestation Place de la République qui est commune avec des pompiers et d'autres corps de métier. Voilà, donc je fais partie de l'Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiants. Et donc on a rejoint le collectif Interurgence parce qu'on se retrouvait dans les revendications, donc au niveau salarial mais aussi au niveau des conditions de travail. Donc on est là pour représenter la pédiatrie et les infirmières puéricultrices. Et quelles sont vos revendications? Alors au niveau, des revendications, par rapport à la fermeture de lits, donc on essaye d'avoir des conditions de travail qui soient améliorées pour les soignants, pour avoir une sécurité des patients, mais aussi des professionnels de santé. Et voilà, donc par rapport au plan de refondation des urgences que la ministre on a constaté que les enfants étaient les grands oubliés de ce plan de refondation. Donc on est là aussi pour dire que les enfants font partie aussi des urgences pédiatriques. Et vous manquez quoi? De quoi? De personnel, de place, de lit, de... On manque de personnel, on manque de moyens. On pourrait mettre des choses simples en place pour limiter le temps d'attente des urgences, comme des consultations de puéricultrices qui sont déjà faites dans beaucoup d'hôpitaux, mais qui sont à l'heure actuelle pas reconnues. On a des compétences en tant qu'infirmiers puériculteurs qui ne sont pas reconnues. Okay. Vous voulez rajouter quelque chose de personnel? Écoutez, j'espère qu'on sera entendu et que la ministre pourra nous recevoir. Ok. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne manif. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est pour une petite chaîne YouTube qui s'appelle Chiche TV. Alors je vois que vous êtes officier en colère.
Vous pouvez nous expliquer succinctement de quoi il retourne ? Oui, donc les sapeurs-pompiers, pas les officiers simplement, mais les sapeurs-pompiers en général, sont en colère. Puisque aujourd'hui nous avons plusieurs revendications qui ne sont pas forcément salariales, dans le style nous défendons notre départ en retraite anticipée puisque nous faisons partie de la catégorie active. L'augmentation de la prime de feu qui aujourd'hui est de 19%, on demande à 28% comme la police. Le sauvetage de la CNRACL qui pourrait aussi disparaître avec la réforme des retraites. Les revendications également, une des prioritaires, ce sont les agressions envers les sapeurs-pompiers. Les agressions, les caillassages. Les caillassages, effectivement. Les sapeurs-pompiers sont devenus le dernier rempart face à la misère sociale, on va dire. Ouais. Et ils sont souvent les plus gros intervenants dans les interventions. Et ils font beaucoup d'interventions que les sapeurs-pompiers ne devraient pas faire. Donc aujourd'hui, on demande aux décideurs, au gouvernement, de se mettre autour de la table avec les différents responsables, l'ADF, l'AMF, pour revenir aux missions régaliennes des sapeurs-pompiers. Okay. Et dans le cas des caillassages, vous demandez quoi ? Être encadré par des forces de police ou... Non, les forces de police, les sapeurs-pompiers sont déjà encadrés. Ouais. Mais malheureusement, les forces de police ne sont pas non plus 10 voitures la nuit, par exemple. Ouais. Ils font avec leurs propres moyens également. Ils sont d'ailleurs eux aussi en colère puisqu'ils manifestaient le 2 octobre ici à Paris. Alors quelle solution il y aurait pour éviter par exemple le caillassage ou... Alors la solution du caillassage, effectivement, il n'y a pas de solution miracle, même si on est déjà en expérimentation avec la caméra piéton. Mais bon, ça ne sera pas forcément facile. Ouais. Mais attendre systématiquement les services de police pour que les sapeurs-pompiers soient sécurisés. Okay. Et concernant les missions qui vous semblent imbues, c'est quoi ? C'est du transport de personnes de domicile à l'hôpital ou oui, ce genre donc, de choses ? Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, normalement, sont missionnés pour des urgences vitales. Ouais. Aujourd'hui, on tombe beaucoup dans l'urgence sociale. Et on voudrait retrouver les missions pour lesquelles on s'est engagé. Ok, donc des urgences et une meilleure répartition des missions par rapport aux répartiteurs. Quoi. Alors, un outil qui pourrait permettre aussi une meilleure régulation, c'est les plateformes d'appel unique qui regrouperaient les sapeurs-pompiers, le SAMU et la police. Okay. Ça permettrait d'avoir un contact direct avec les trois entités et avoir une régulation plus fine. Okay. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes... Donc je suis Ludovic Duquesnoy, je suis président de la section départementale des officiers du Pas-de-Calais. Ok, bah, je vous remercie et je vous souhaite une bonne manif alors. Sur internet. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors moi je m'appelle Rachid, je suis le président du collectif Interbloc. C'est un nouveau mouvement qui vient se greffer à tous les autres collectifs et qui appelle à la convergence des luttes et à l'arrêt de la précarisation de tous les métiers de la santé, en particulier sur le bloc opératoire avec les IBOD et les infirmiers de bloc opératoire. Voilà, nous on est un petit collectif qui est en train de se structurer. On est en train de se monter petit à petit, donc voilà, on est là aussi pour la convergence avec tous les collectifs qui viennent de faire des appels, les organisations syndicales. Voilà, on est là pour représenter les blocs opératoires, les IBOD, les infirmiers en bloc. Voilà. Et quels sont vos manques en bloc opératoire ? Alors déjà, il faut savoir que les hôpitaux publics, là, ils commencent à être étouffés financièrement, et ce depuis longtemps, et du coup, il y a des grosses répercussions sur les blocs opératoires. En termes de matériel, en termes de moyens humains. Donc nous, on est là ici pour dénoncer tout ça. Hein. Je vais prendre un exemple. Par exemple, ceux qui livrent les blocs, le matériel, tout ça, il y a des temps d'attente qui dépassent la centaine de jours, 150 jours. Donc aujourd'hui, on n'est plus approvisionné. On nous annonce des ruptures de stock, mais en fait, qui sont juste des problèmes financiers. Et à l'heure actuelle, le gouvernement ne veut pas mettre les moyens. Il est là vraiment juste pour faire des coupes budgétaires.
sanitaire et nous voilà on est là pour revendiquer tout ça. Okay. Et au niveau des lits, des chambres, vous avez assez de... Au niveau des lits, c'est pareil, c'est toujours le même problème. Alors nous au bloc opératoire, on a été pris de plein fouet par la T2A, la cotation à l'acte. Donc aujourd'hui, à l'inverse, on est en train de fermer des lits. Donc du coup, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Il faut opérer trop, beaucoup. Mais du coup, on n'a pas de lit pour coucher les malades. Donc ça devient vraiment, vraiment problématique. Et bien sûr, on est solidaire avec tous les collègues des services qui empathisent de tout ça, avec la fermeture de lits, les réductions des effectifs. Donc du coup, ils font peut-être plus d'ambulatoires. C'est que les gens, ils restent que la journée. Et ils ne dorment pas dans le... Alors les conditions de l'ambulatoire, c'est assez particulier. Hein. Il faut rentrer dans des critères assez particuliers. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire rentrer tous les patients voilà, il faut savoir qu'à l'hôpital public, on prend tout le monde. On n'a pas une patientèle comme le privé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des malades avec très peu de pathologies. On prend tout le monde sans distinction. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça la problématique des hôpitaux. Est-ce que l'ambulatoire vraiment est une solution? Nous, on ne pense pas. On est là pour faire de la qualité et pas de la quantité. Okay. Bah, écoutez, je vous remercie. Vous avez un truc personnel à rajouter ou... Non, on est là. On espère qu'il y aura de nombreuses mobilisations comme celle-ci. Ça fait plaisir de voir autant de monde, autant de personnel et de professionnels mobilisés. Ok. Bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne manif. Merci, vous aussi. Bonne journée. Courage.